Un beau bonjour les amis, on se retrouve dans cette nouvelle capsule, eh bien pour vous parler en deux mots, n'est-ce pas, de l'archange Métatron. Qui est l'archange Métatron? Ce bel archange Métatron, eh bien, il est le plus puissant des archanges. Il est le plus près du divin et en réalité, n'est-ce pas, Métatron et son frère jumeau, Sandalphon, sont les deux archanges gouvernant la sphère de la terre. Avant de devenir un archange, eh bien, ce bel archange Métatron a vécu sur terre comme Sandalphon. Et grâce à son passé d'humain, l'archange Métatron est à même de comprendre les problématiques que nous traversons et peut-être d'un grand secours au quotidien. Son passé sur notre terre n'empêche pas Métatron de posséder un degré de pureté incroyable, lui donnant accès aux plus hautes sphères célestes. Ainsi, ce bel archange Métatron nous apporte la compréhension du monde supérieur et se pose en régisseur de nos désirs. Il nous permet de créer un monde à notre image et selon nos souhaits. Et l'énergie qu'il nous transmet nous invite à donner naissance à un univers nouveau. La couleur de ce bel archange Métatron est le vert foncé. Prière à ce bel archange Métatron. Cher archange Métatron, de tout mon cœur et avec la plus grande gratitude, je t'invoque aujourd'hui pour te demander ton aide. Aide-moi, je t'en prie, à accepter mon hypersensibilité et à en faire ma plus belle force. Aide-moi, je t'en prie, à trouver ma place dans ce monde de chaos et permets-moi d'incarner avec dignité qui je suis vraiment. Insuffle-moi, je t'en prie, la force de continuer malgré les difficultés rencontrées. Ravive en moi la lueur d'espoir et cette foi sans faille qui me permettra d'avancer malgré l'obscurité. Aide-moi, je t'en prie, à trouver le juste équilibre entre le donner et le recevoir. Aide-moi, je t'en prie, à mettre des limites pour honorer et respecter mon être véritable et essentiel. Fais-moi comprendre dans un murmure la grandeur de tout ce que j'ai accompli, même si mes frères humains ne voient ni n'entendent rien. Donne-moi le courage et la persévérance quand cela m'est nécessaire et aide-moi, je t'en prie, à lâcher prise quand l'effort est inutile et en vain. De mon âme à ton âme, je t'aime et je te remercie. Remerciez-le avec une petite prière que vous lui adressez. Bon matin à toutes et tous, ravie de vous retrouver pour le message de l'archange Métatron pour ce jeudi 12
mai 2022. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Avant de commencer, j'ai le choix de nourrir le positif en moi ou de nourrir le négatif, et le plus fort est celui que je nourrirai le plus. Alors aujourd'hui, eh bien, j'ai pigé le salon apprentissage et connaissance. Le salon symbolise votre capacité à apprendre et à acquérir de nouvelles connaissances. Cela représente votre degré d'ouverture d'esprit quant à l'apprentissage de nouveaux enseignements. Eh bien, le moment est venu. Il est venu de suivre une nouvelle formation dans le domaine qui vous inspire le plus. Et on vous demande d'avoir confiance et cessez d'avoir peur. Alors cette carte, comme elle l'indique, est synonyme d'apprentissage et de nouvelles connaissances. En construisant votre demeure de lumière, vous devez créer un salon où vous pourrez relaxer, lire et apprendre. Et ce lieu, n'est-ce pas, vous apprendra à faire ce lâcher-prise. Et par la même occasion, à ouvrir votre esprit à de nouveaux enseignements. C'est le symbolisme idéal pour accepter de nouveaux défis et pour surtout évoluer sur votre route. Eh bien, cette carte, elle vous demande si vous êtes prêt à accueillir dans votre vie non seulement de nouveaux enseignements, mais aussi de nouvelles personnes qui seront des guides pour votre évolution spirituelle. On vous invite à ne pas rester confiné dans votre bulle, mais bien d'élargir vos horizons. Sortez de votre zone de confort. On ne vous demande pas de tout plaquer, n'est-ce pas ? Juste agrandir votre zone de confort. Parce qu'on a l'impression que vous restez confiné dans vos anciennes croyances. Si c'est le cas, ouvrez-vous, n'est-ce pas ? Vos anciennes croyances, un peu comme si elles refaisaient surface pour vous laisser un message important. Eh bien, c'est lequel message ? Posez-vous la question. Est-ce que vous répétez sans cesse les mêmes erreurs ? Est-ce que les erreurs du passé ne vous ont-elles pas apprises? On doit en tirer des leçons de nos erreurs du passé et ne pas les répéter, parce que si on les répète, c'est que nous n'avons rien compris. Si nous refaisons toujours les mêmes erreurs, je crains que qu'on fasse du surplace. Donc, voilà, c'est un très très beau message, je trouve. Hein. Ne pas rester dans sa bulle, élargir notre horizon, c'est aller élargir notre zone de confort, et ne pas répéter sans cesse les mêmes erreurs. Parce qu'on stagne, on n'apprend pas. On n'est pas dans l'apprentissage.
Et l'apprentissage, eh bien, ça doit nous apprendre. Comme je dis et comme ma maman me disait, il faut être pris pour être appris. Donc, si vous n'êtes pas appris après x fois, eh bien, là, il faut vous poser des questions. Hein. Certains d'entre vous, eh bien, vous allez recevoir une invitation pour un événement très spécial. Je ne sais pas lequel, mais voilà, vous me direz. Et cette carte, elle vous invite, elle vous suggère hein, de vous inscrire à des cours, que ce soit des cours à distance ou par Internet, n'est-ce pas? Et surtout, ne croyez pas qu'il est trop tard, parce qu'il n'est jamais trop tard pour apprendre. Et pour d'autres, eh bien, vous avez besoin de trouver une nouvelle manière de méditer. Énergie de guérison, eh bien, j'ai pigé le calme. Voilà, le calme pour méditer. Je respire la lumière, je vis la lumière et je fais grandir la lumière en moi. Je fais une chose à la fois et me concentre sur le moment présent. Je chasse mes doutes. Toute peur se dissipe et je retrouve la paix en mon être. Je terminerai par « Mets de la lumière dans ta vie, sois optimiste, lève-toi le matin et remercie pour la belle journée que tu vas passer. Je vous souhaite à toutes et tous une agréable journée. On se retrouve demain et d'ici là, je vous embrasse. Prenez soin de vous, prenez soin de ceux qui vous entourent, de ceux que vous aimez. À demain. »